présenté et récompensé dans le monde entier, No Land Song se définit comme une ode à la liberté artistique féminine. Pourtant, ce documentaire brave la loi de la République islamique d'Iran. Chanter en public, en soliste lorsqu'on est une femme, y est interdit. No Land Song raconte de l'intérieur la censure exercée en Iran. Sarah Najafi va devoir la contourner, aidée par la caméra de son frère Hayat. En fait, c'est comme un jeu, comme une partie de poker. Vous ne savez pas quelle va être leur prochaine carte, ils sont en position de force. Vous n'avez rien dans les mains, sur les papiers c'est comme si vous aviez déjà perdu. Mais il faut être plus malin, bluffé. Durant son parcours, Sarah rencontre un théoricien. Il lui explique que la voix d'une femme ne doit pas dépasser une certaine limite. Alors Sarah va en mêler plusieurs. Les personnages de mon film, qu'elles soient iraniennes, françaises ou tunisiennes, lorsqu'elles se mettent à chanter ensemble, voilà ce qui est le plus important pour moi. La vraie paix, c'est ça. Les droits de l'homme s'expriment comme ça, pas par la voix des politiques. Hayat et Sarah se sont lancés avant tout dans un combat féministe, mais en abordant la question de la culture, ils glissent doucement vers le politique. Quels risques ont-ils pris? Ils ne le savent pas vraiment. Une chose est sûre, pour eux, il faudra continuer leur jeu de contorsionniste avec le pouvoir iranien.